Eh bien salut tout le monde, c'est Clara, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. En tout cas ça va super les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Tanks. Et à l'épisode 3 on va jouer le M2 Medium. Alors pour vous rappeler, donc je vais ressortir la division. Alors premier épisode on va jouer le T22 Proto. Ensuite on est parti donc dans les chars moyens, donc le T2 Medium qu'on a joué avec Tommy à l'épisode 2. Et pour l'épisode 3 je suis passé en division 3 avec le M2 Medium de type américain. Et donc comme promis, on va se faire deux games. Et c'est parti. Oh, on se retrouve contre des divisions 5. Oh lolo. Ah, on est mal barré pour cette première partie, les gens. Bon, on va essayer de faire au mieux. On va faire notre taf, hein. Et puis si on meurt, tant pis. Mais les ennemis sont en approche. Le plus important, c'est d'essayer de faire un maximum de choses. Repérage et mettre les dégâts. Bon, des kills, ça serait un petit peu rare de faire ça, mais écoutez, on va essayer de faire au mieux. On va faire le maximum. Concentrez votre attention ici. Bon, y a tout le monde qui part là-bas, donc je vais les suivre. Déjà des tanks de repérer. Ils nous ont trouvés. C'est bon, je l'ai eu. Premier kill. Oui. Chargé. Ah, on est chaud. Allez, on avance. Attends, je regarde la carte. Alors, il y a des gens là. Alors, on nous prend par en bas et on nous prend par en haut. Est-ce que sur le côté c'est dangereux ou pas? Je sais pas, mais je peux y aller. S'il y a un blindé qui y va. Bon, je vais suivre le KV1. Ok, on a un éclair. Ah, super, super, on a un éclair et tout. Donc, on peut avancer. On peut prendre du terrain. Là, je vais tracer ma route. L'ennemi sait où on est. Ah, il y a un tank en bas. Oh. Heureusement que j'ai un bon blindage. Hop, deux kills. Puis après ils sont tous là. Après je peux les prendre à l'envers, mais bon, je vais pas faire le fou, je suis une division 3 et puis t'as des blindés de division 5. Attends, il y a un blindé qui va passer ici. L'artillerie alliée a été anéantie. Je pourrais peut-être lui tirer dessus. Je sais pas. Je sais pas comment agir. Oula. On va les contourner. Ouais, on va les contourner. Ça serait le mieux. L'artillerie est là-bas. Si on pourrait l'avoir, ça serait super. On va défoncer cette artillerie. Concentrez-vous sur cette zone. On a été repéré. Ouais, bah c'est bon, ils vont le détruire. Hop, ça c'est fait. Bah moi je vais aider les autres, je vais les prendre par l'arrière. Attends, si je regarde. Ouais, c'est pas terrible. Ça sent la défaite. Ça pue la défaite. Ça se moute. Ça va être un petit peu dur de gagner, hein. Bon, moi je suis pas le meilleur des tanks. On va essayer de faire au mieux quand même, mais ouais, voilà, c'est une défaite. Là, on peut dire qu'on est un peu mort. L'ennemi sait où on est. L'ennemi sait où on est. Bah oui, bah tu m'étonnes. Vu dans l'état où on est, moi je tire dessus comme un con. Là, on a un éclaireur. On va essayer de l'avoir. Division combien? Division 3. Ouais, on peut l'avoir. Non, on l'aura pas. Ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. Yes. Non, putain, dommage.
Bah, de toute façon, on a perdu, il nous reste. Regardez, quand vous regardez, il nous reste deux éclaireurs. Dans l'équipe ennemie, t'as 4 blindés. Fouah, je laisse tomber. Ah, c'est dommage, on était bien parti. On a eu 2 kills hein, quand même. 2 kills, 6 pénétrations et 6 coups critiques. Bon, comme je l'ai expliqué, même si c'est une défaite, vous avez fait votre taf et moi perso, je l'ai fait. Donc, si vous, ça vous arrive d'être dans la même situation que moi, on a quand même bien fait son taf. C'est plutôt bien. Bah, allez. On s'en refait une. La dernière. Ah, j'espère que ce sera une victoire. Hein, pour vous faire plaisir. Attends, je reviens. Ah putain, on joue encore avec des divisions 5, ça m'énerve. Non mais sérieux. Très bien, messieurs. Il y a des ennemis dans la zone. Nous pouvons soit les détruire, soit capturer leur base. En route. On va partir vers là-bas. Je vais aller avec les blindés parce que de toute façon, je sais que je vais crever alors. On a déjà des cibles. Si je regarde, ouais, elles sont en bas de nous. Faudrait monter un peu plus haut et puis c'est bon. Après, on va commencer à attaquer. Regardez lui commencer à attaquer. Bon, bah, ouais, c'est bon. Ok, on va se mettre à attaquer. Concentrez-vous sur cet endroit. Souvent. T28. Ah, c'est celui que j'avais tué tout à l'heure là. Il y a moyen de l'avoir. On peut lui mettre du dégât, ça c'est sûr, il y a un blindage assez faible. Nous perso, on peut lui mettre du dégât. Yes! Je l'ai eu! Ah non, je l'ai pas eu! Il est pas mort! Je m'en fous, je le tue! Yes! Je l'ai eu! Bah! Ah, je m'en fous, je l'ai eu! Ah, on a mis du dégât! Ouais, bah après, regarde, c'est tous les blindés qui montent! Oh là là, laisse tomber! De toute façon, j'aurais rien pu faire de blindés après. Bon, comme vous voyez, j'ai encore fait ma part de travail. Regardez toutes les étiquettes que j'ai en haut à droite de l'écran. On a encore fait son taf. Après, victoire ou défaite, ça dépend des autres joueurs. C'est ça le problème, c'est... Moi, ce que je suis un peu déçu d'en perdre un petit peu, enfin, je vais pas dire un peu à cause des autres, mais... Quand eux, avec leur véhicule, ils font pas leur taf, c'est assez dérangeant. Et c'est souvent ça qui mène à la défaite. Après, si tout le monde fait son taf, bah, c'est bon, hein, t'as une victoire parfaite. Hein, tu les écrases, mais juste une bonne victoire. Après, voilà. En tout cas, les gens,
La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, on va fixer un objectif 15 likes. N'hésitez pas à commenter, à partager à vos amis et votre famille, et de vous abonner pour les nouveaux. Et moi je vous dis ciao tout le monde!